Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Humility et Cendre, on espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la dernière mise à jour de Dofus 2. Et oui, ça fait bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment le cas. La mise à jour 2.73 est sortie il y a quelques semaines et ça sera la dernière mise à jour, c'est vraiment historique, qu'il y aura à tout jamais sur Dofus 2. Et comme j'ai pas eu l'occasion de la tester, je voulais la tester avec vous, un petit peu parler de tout ça. Et vous le savez sans doute, hein, Dofus 3, Dofus Unity, ça sort dans un mois. Donc on est vraiment sur nos dernières semaines sur Dofus 2. Et donc ça permet un petit peu d'en parler, de tester ça aussi tout simplement. En plus, c'est historique aussi parce que c'est une mise à jour qui bascule sur les deux. En gros, il y a une partie de la mise à jour qui va sortir sur Dofus 2. Et une partie qui n'est disponible que sur Dofus 3, parce que, enfin Dofus Unity, parce que la technologie Flash ne permet pas, Dofus 2 c'est sous Flash, mais la technologie Unity permet de faire toute la mise à jour et du coup de faire surtout un combat entre guillemets, une nouvelle feature. Et justement on va parler de ça parce que c'est très important pour la suite du projet. Donc la nouvelle mise à jour, la 2.73, c'est notamment avec la refonte complète de la foire du Troll. La foire du Troll, c'est assez historique. Les plus vieux d'entre vous se souviendront de tous les jeux, les mini-jeux qu'on pouvait faire. Je sais que sur Wakfu, ça existe aussi. Alors, c'est toujours disponible sur Dofus Retro. En plus, ils l'ont refait récemment. Mais sur Dofus 2, ça faisait longtemps qu'on pouvait plus vraiment faire de mini-jeux ou quoi que ce soit. Et donc, maintenant, on peut de nouveau faire des mini-jeux. Donc, c'est assez cool. Il y a aussi, je crois que dans la mise à jour, il y a aussi le signalement qui est arrivé. Donc, quand vous cliquez sur un joueur, en fait, vous pouvez le signaler. Mais voilà, la mise à jour, elle a... en tout cas, la refonte de la foire du Troll. Elle a un nouveau zap, donc on peut se déplacer avec un zap, donc ça c'est plutôt cool. Ils ont centralisé un petit peu les points d'intérêt, etc. Et surtout, ils ont mis des nouveaux mini-jeux. Ils ont refait des anciens, mis des nouveaux. Et ils ont mis de nouvelles récompenses, principalement cosmétiques, mais on peut aussi acheter. Donc ça s'appelle les troulotons, donc il y a une nouvelle monnaie qui est arrivée en jeu. Vous pouvez acheter des tatouages qui sont en fait comme des bonbons. Et des objets cosmétiques, des panoplies cosmétiques. Également, voilà, la Dragonnade en armure, Dragonnade à plume, et aussi l'éclaireur spectacle, les compagnons, c'est super important. Maintenant, il y a beaucoup de succès liés à ça, etc. Ils ont beaucoup changé, hein, les compagnons, il y en a plein de nouveaux, etc. Ça a pas mal bougé, et d'ailleurs, c'est ce qui me manque, hein, pour faire les succès. En ce moment, on fait les succès, hein, vous le savez, sur mon retour sur Dofus 2 et sur la dernière aventure sur Dofus 2. Donc, les compagnons sont importants, donc un des compagnons, on peut l'obtenir comme ça. Et donc, maintenant, pour jouer au mini-jeu, vous devez acheter des tickets à la vendeuse de tickets qu'il y a devant le magasin, qui coûte 500 kama. Et vous en achetez autant que vous voulez. Hein. Il me semble en avoir déjà acheté, si je dis pas de bêtises, en avoir quelques-uns en stock, justement. Voilà, j'en ai 28. Et ces tickets vous permettent de faire les différents mini-jeux, tout simplement. D'avoir mis le zap, par contre, ça fait tellement bizarre. Enfin, c'est cool, en vrai. Et ils ont mis aussi les différents PNJ. Y a toujours les PNJ qui vendent des trucs, des Shigekax, des machins. Ça existait déjà dans le passé. Qui sont là, je crois, à droite, à gauche, voilà, les Shigekax, là, vous avez des Boudens, trucs comme ça, des sucettes du Troll. D'ailleurs, ce qui fait aussi bizarre, c'est que les PNJ, ils sont vraiment en mode Unity, nouveau design, nouvelle DA d'Ankama et de l'univers du Crossmos, et du coup, ça fait un petit peu bizarre. D'ailleurs, c'est un peu ce que les gens reprochaient un peu à Dofus 3. Je dis Dofus 3 parce que Dofus Unity, on devrait pas dire comme ça. Ankama l'a dit, d'ailleurs, récemment. C'est vraiment Dofus 3.0, hein, qui va sortir, c'est vraiment Dofus 3. Et Dofus Unity, c'était le nom du projet en interne, et bon, ils ont communiqué avec dessus. Maintenant, c'est un peu dur de revenir en arrière, surtout à un mois de la sortie. Mais Dofus 3 et Dofus Unity, c'est la même chose, et ça sort le 3 décembre. Voilà, un petit peu, un des trucs qui était revenu par rapport à la DA, c'est que les personnages, la refonte graphique des personnages sur Dofus 3, et ben sur Dofus Unity, et ben elle est assez différente, du coup, de l'apparence des décors, des maps, des monstres et tout. Et on fait un petit peu tâche, des fois on a l'impression que notre personnage il est posé un petit peu comme ça, il est calqué sur l'univers. Donc on va tester les mini-jeux, admettons, allez parions sur la larve orange. Donc là c'est un mini-jeu avec des larves, en fait c'est le même jeu qu'il y avait sur Temporis. Il y a un des Temporis où ils avaient sorti, je crois que c'était Caflip City, où ils avaient sorti des mini-jeux. Et les larves elles peuvent avancer de 1, 2 ou 3 cases, et c'est la première arrivée, donc faire l'aller-retour. Qui gagne et donc tu remportes 15 troulotons. Donc vous voyez, quand il en faut 12 000 pour une Dragonnade en armure, je peux vous assurer que c'est beaucoup. Bon, après j'allais dire, il y a peu de chances que je gagne du premier coup. À moins d'un streamer boost, peut-être, d'un youtuber boost. Et pour l'instant, ça se passe pas très bien, on est troisième. Ah, elle a un petit peu avancé. C'est pas fini. C'est pas fini si elle fait des grosses percées, là. Donc c'est la orange, la mienne, hein, c'est celle qui est, voilà, en...
avec le cercle rouge en dessous. On est au même niveau que les autres. Ah, elle, la verte m'a devancé. Après, la jaune, elle peut le rattraper si elle fait des gros coups. Donc, c'est 1, 2 ou 3. Je sais pas si on a plus de probabilité de faire 2 ou 3. Je sais pas quelle est la probabilité. À mon avis, voilà, la bleue a gagné. Ouais, la bleue a gagné. Bon, tant pis, je ne gagnerai pas les 15 points. Et si vous mettez en mode créature, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc voilà un petit mini-jeu. On les fait en même temps qu'on discute. C'est quand même sympa. Alors celui-là, oh mon dieu. Il faut se rappeler des couleurs. Ah oui, je voulais vous montrer le truc de signaler. C'est ça, signaler un joueur. Et vous pouvez du coup dire un bot, commerce illégal et tout. Promotion illégale, exploitation de faille et tout. Et vous pouvez décrire ce qui se passe. Et ça envoie en plus par MP, ça envoie le screen de vos conversations précédentes. Donc avec le personnage en question. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ils ont dit que c'était fiable pour l'instant, des tests qu'ils avaient fait par rapport au signalement. Il y avait plus de 90% des gens qui signalaient. C'était vraiment efficace, c'était vraiment des bots, etc. Alors, c'est toujours revérifié par un humain derrière. Mais ça fait tellement longtemps qu'on le demande, le signalement. Parce que ça manque quand même de modération au global dans Dofus. Ça manque cruellement. Puis là, on le voit, il y a beaucoup de bots, il y a de colis, beaucoup de bots de chasse au trésor, etc. Et forcément, bah, pour Dofus 3, on a envie qu'il n'y ait pas de... Pas de problème, ou le moins de bots possible, entre guillemets. Bon, vous allez voir, c'est vraiment très facile. Je sais pas comment s'appelle le jeu de cartes de base, mais en gros, l'idée, c'est vous pouvez révéler les sprites des différentes créatures, donc c'est différents blobs. Et donc, faut trouver les paires ensemble, tout simplement, voilà. Là, mon but, c'est un petit peu de les révéler tous d'abord. Je crois que le bleu, il est par là. Donc là, techniquement, je sais pas si c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, donc je peux passer. C'est celui-là et celui-là, voilà. Là, on sait que ces deux-là, ils sont ensemble. Bon, j'aurais pu, au lieu de passer, révéler une case de plus que je n'ai pas. Donc là, c'est... Ah bah... Voilà. Que du bonheur. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ok, on est sur la fin, les amis. On est sur la fin. Je suis quasi mid-life. Parce qu'on perd des points de vie, en fait, à chaque fois qu'on avance. Donc là, c'est vert et jaune. Et là, on devrait les avoir, du coup. Voilà, c'est bon. Voilà. Et du coup, le dernier, on a moins de 50 HP. Je sais pas si c'est en le moins de coups possible. Si on le réussit, du coup, on gagne plus de récompenses, etc. J'ai eu 12 troulotons, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Alors ça, les amis, la roue du bouffe-tout. Vous savez, elle existe sur Dofus Retro. Et on l'a spammé, mais on l'a spammé. Et là, je trouve ça tellement dommage qu'elle ne tourne pas. Par contre, on peut la spammer plus qu'on pouvait avant. Ça coûte un ticket à chaque fois. Et on peut repartir avec le jackpot si on gagne. Et on était en live et je l'ai fait et j'ai gagné 180 000 kama. Et ça te met un truc dans le chat, ça fait quoi? Ça te met juste vous avez perdu. Bah je pense que si tu gagnes ça te le dit. Quand tu gagnes? Bah je suppose. Ça se trouve t'as gagné, tu sais même pas. J'ai gagné. T'as gagné quoi? 180 000 kama. Alors je sais pas si c'est les kama qui sont liés aux tickets que les gens mettent ou si c'est autre chose. Mais en tout cas le spammer, vous voyez ça part très vite. Et puis c'est 500 kama à chaque fois. Ça paraît pas grand chose, mais 10 tickets, 5000 kamas, ça se fait très très rapidement. D'ailleurs, il m'en reste combien là qu'on rigole? Ouais, il m'en reste que 8. Ensuite, on a le lancer de couteau avec belle gueule. Belle gueule. Celui-là est pas trop fun. Enfin, c'est un de ceux que j'ai trouvé les moins fun. Vous devez toucher un maximum de putsch en 3 tours. Vous avez que 3 tours. Et plus ils sont loin, plus ils rapportent de points. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et vous avez des sorts que vous pouvez lancer tout le temps et des sorts uniques. Notamment, le sort unique, c'est celui-là. Donc c'est le R, vous avez un de chaque élément. Et le feu aussi je crois est également sort unique. Et effectivement, bah des fois, enfin selon, c'est assez random. Et selon là où il se place, bah des fois vous avez très très peu de chances de les toucher ou de faire beaucoup de points, en tout cas beaucoup de troulotons. C'est rare entre guillemets. Et là ça occasionne des dommages terre au premier ennemi d'une ligne aléatoire. Parmi celles ciblées. Donc ça arrive des fois que je fasse le sort et que le truc soit pas dans la ligne. Donc là par exemple si je vais là, je suis sûr d'avoir forcément quelqu'un dans la ligne. Et bon là j'ai de la chance, c'est celui au fond. Mais des fois ça tape sur une ligne que vous avez pas. Donc c'est assez compliqué. Vous pouvez spammer aussi le sort haut je crois. Bah là typiquement je vais essayer d'aller toucher ce au fond. L'idée c'est quand même de faire ça, d'aller toucher ce au fond. Ah bah je l'ai pas touché. Vous voyez c'est la ligne du milieu là que ça choisit. Là pareil. Là ça choisit le bon. Mais là, du coup, tout va disparaître. Et en général, on gagne 4, 3, 4. Voilà, c'est ça. C'est très peu de troulotons. Et je trouve que c'est assez random, un peu trop random. Vous avez aussi la pêche au coin-coin. On va y aller tout de suite. Pêche au coin-coin, vous achetez les cannes à pêche. Donc, on donne un ticket et vous pêchez.
Et les coin-coin que vous pêchez, vous pouvez les échanger contre des trouloton. Mais des fois, il y a des coin-coin qui sont rares qui vous donnent beaucoup de trouloton. Voilà. C'est, en fait, ils ont refondu un petit peu l'ancien. Mais c'est vrai que sur Wakfu, on farmait ça pour avoir le familier. Je sais pas si vous vous souvenez. Genre, Nico, il l'avait eu en 3000 jetons, un truc dans le genre. C'était assez fou. Et le dernier, c'est Tap Tofu. C'est à l'intérieur. Et là, donc, c'est comme si vous aviez un maillet et que vous tapiez sur les tofu. Sauf que là, du coup, les tofu, ils ont deux apparences différentes. Et il y a deux apparences, pardon, différentes. Et il y a une apparence sur laquelle vous pouvez taper absolument. Vous devez taper, c'est celle-ci. Et vous devez aller le plus vite possible parce qu'à la fin de votre tour, ça trace. Donc, globalement, je trouve ça pas dur du tout. Bon, après, le but, je pense que c'est pas trop dur. Nico, il disait qu'il aurait pensé qu'il y aurait une différence un peu moins notable. Là, ils sont vraiment très différents. On voit parfaitement celui qui est jaune ou pas. Je pense si t'es... Hop. Alors, je me concentre. Hop. Hop. Oh, je me concentre, ouais, j'avoue. Hop. C'est un problème au niveau de la vue, au niveau des couleurs. Peut-être forcément, c'est daltonien, c'est un peu plus compliqué. Mais ça me semble... Merde. Relativement facile. Il faut aller le plus vite possible. Plus tu en tues, plus tu récupères de récompenses à la fin. Je sais pas quel est le maximum. On a 60... On a 100 PA, je crois, un truc comme ça. Donc, faut utiliser... Je pense pas que les 100 soient possibles. Ah, peut-être en... Ouais, mais j'allais dire, si tu mets en mode créature, tu vois pas lequel est lequel. Ce qui est plutôt difficile. Je suis quasiment à la fin. Bam. J'en ai fait 50, du coup. Ce qui est pas mal, je pense. Voilà, c'est fini. Donc, 7. 7 troulotons en une minute. Ouais, voilà, ça dure une minute de quoi qu'il arrive. Donc, voilà, petit jeu. Et le dernier, du coup, c'est le Gladiatrool. Alors, vous savez sans doute, le Gladiatrool existe sur Dofus Retro, mais là, ce n'est pas du tout la même version sur Dofus 2. Ils ont fait donc un système assez complet où on peut le lancer à partir du level 50. Et c'est ça qui est super intéressant. Vous n'avez pas besoin de stuff. Ce qu'il vous faut, c'est juste un ticket que vous achetez avant, donc au PNJ. Donc, en fait, c'est ça qui est justement disponible uniquement sur Dofus 3, sur Dofus Unity, qui n'est pas disponible sur cette version, sur Flash. Parce que le combat, il a été développé sur Unity. Et en fait, c'était ça dont je voulais vous parler. C'est que ce style de combat, ça va arriver de plus en plus avec Unity. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a ce portage. En fait, le portage Unity, c'est pas juste un portage classique. C'est dans le futur, ils vont pouvoir faire des extensions, des boss de combat beaucoup plus intéressants. Avec des choses évolutives, des combats évolutifs. La map qui évolue en temps réel. Tu obtiens de nouveaux sorts. Tu obtiens de ton personnage, il change d'apparence. Etc. Il y a tellement plus de possibilités que tu peux faire avec cette techno, même au niveau des debugs. Hein, on en parlait plein de fois quand il y a eu les debugs. Ils corrigent des bugs qu'il y avait sur la bêta. Genre, ils ont corrigé 2 ou 3000 bugs. Ils disaient que ça, c'était peut-être en 1 an, 2 ans. Et là, ils l'ont fait en quelques semaines. En fait, ils ont tellement plus d'outils, tellement plus de possibilités sur cette techno. Enfin. Et c'est bon, j'allais dire, j'aurais aimé que ce soit avant Unity. Mais enfin. Et je suis quasiment persuadé qu'en 2025... ils vont sortir une extension et que dans l'extension, il y aura les boss. Bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On en a un peu marre des boss qui sont toujours invulnérables, qui font un peu toujours les mêmes choses et tout. Et là, du coup, ils vont avoir beaucoup plus de possibilités. Et je trouve ça vraiment très cool. La technologie permet beaucoup plus de choses. Par contre, vous l'avez remarqué, il n'y a pas de succès ou de récompense de quête, etc. Dans la zone. Là, c'est la quête des 20 ans ou un truc comme ça. Mais sinon, vous n'avez pas de succès lié à la zone, c'est vraiment que des récompenses liées au mini-jeu, etc. Et donc voilà, c'est là les tickets que vous les achetez également pour le Gladiatrool. Et du coup, le Gladiatrool, ça n'a rien à voir avec les mini-jeux qu'on vient de faire. C'est vraiment une feature complète qui est accessible à partir du niveau 50 et qui, à mon avis, va être pas mal farmée. En fait, vous pouvez y accéder même si vous n'êtes pas stuffé. La seule chose dont vous avez besoin, c'est un ticket du Gladiatrool qui coûte 5000 kama, donc ça coûte un petit peu d'argent. Mais les gens vont réussir à se rentabiliser dessus, notamment parce que vous avez des récompenses. Et l'idée du combat, c'est que vous allez affronter des vagues de monstres jusqu'à un boss final. Mais le combat est évolutif. Déjà, vous avez des pics sur les côtés. Vous allez devoir mettre les monstres justement dans les pics pour qu'ils subissent plus de dégâts. Mais vous allez avoir des succès, des challenges. Et si vous réussissez les challenges, vous allez débloquer de nouveaux sorts. Donc votre personnage... pendant les combats, va être augmenté. Vous allez être de plus en plus puissant. Vous pouvez même augmenter la puissance des sorts, le niveau des sorts en eux-mêmes. Vous allez voir même le picto change, etc. Donc c'est assez fou ce que permet Unity, du coup. Et c'est ça qu'on va avoir probablement dans le futur. Donc c'est vraiment une nouvelle approche. Surtout que, comme je vous le disais, vous n'avez pas besoin de stuff. En fait, quand vous rentrez dans le combat, vous allez choisir une classe qui n'existe pas dans Dofus. Hein. C'est soit dompteur, soit acrobate, soit magicien. Et ça va vous donner des sorts spécifiques. Donc voilà, il y a un soigneur, il y a un placeur, il y a un guerrier qui tabasse.
et vous allez choisir, vous êtes 4 au maximum, vous pouvez le faire à moins, mais c'est quand même très dur, je sais qu'il y a des gens qui l'ont réussi à 3, mais globalement à 4, je vous conseille d'y aller à 4 si vous pouvez, vu que c'est ce qui est conseillé pour le faire, et vous allez du coup voilà, augmenter vos sorts au fur et à mesure, vous avez beaucoup de vie, vous tapez très fort, vous allez voir, c'est très cool. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir vraiment à quoi ça ressemble ce Gladiatrool, avec un combat qu'on a réussi en live. Je vais vous mettre les meilleurs moments pour bien comprendre comment ça fonctionne. On a fait quand même pas mal de tentatives. Et le combat complet, lui, sera sur ma chaîne secondaire. Vous aurez le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez voir directement maintenant le best-of, comment ça fonctionne, etc. Et le combat complet sera sur ma chaîne secondaire. J'espère qu'il vous plaira, le combat. Et on se retrouve juste après. Ouais, carrément. Guillaume reste DPS. Mais ça veut dire que on pourra pas avoir les deux dans l'état premier tour. Ouais, c'est ça, exactement. Déjà, on se prend une bastos... Ah si, il y a les deux acrobates. Si. On a deux acrobates, un soigneur, un DPS, donc on peut. Mais est-ce que ça marche, j'en ai tué deux. Ah non, dommage. Ok, j'ai DPA, ça c'est bien. Moi j'ai eu un des meilleurs buffs en early, donc j'ai eu galvanisation. Ah, moi aussi. On va tous avoir plus qu'un PA. Oh. Ok. Moi je trouve le soigneur, c'est bien. Ouais, il est bien le soigneur. Ah, ça soigne quoi. Bah, même tout son nom. Et toi, t'aurais pas fait 8 ans d'études par hasard toi, Par contre, toi, effectivement, il tape très fort, ce perso. Tu peux tuer les deux. Est-ce que je te pousse, Iggy? Ouais, j'allais dire tu le pousses et tu tues les deux, ouais, ça fait le chal. Alors, tuer les deux, vous êtes bien gentil. Bah ouais, tu peux large. Il y a les dommages x3. Franchement, pour moi, tu tues large. X3. Bah oui, tu sais, quand c'est dans le truc, ils ont x3. Ouais, faut crit sur celui du haut. Bah crit. Bah voilà. Bien joué. À la fin du tour global, aucun Nardtrouler doit être présent sur le terrain, ça c'est très facile. Faut le tuer, c'est tout. Ouais, on va prendre celui-là. Hein. Donc là, on n'est pas trop mal. Quoi? Bah voilà, ça a marché. Quoi? Truc suivant. Magnifique. Ah, mais... Magnifique. Attends, quoi? Tous les Nardtroulers doivent être à distance de 3 cases. Pendant le tour d'un combattant... Ça, c'est lequel, le premier? Il n'y a pas d'Nardtrouler. À distance d'exécuter, juste à tuer les Nardtroulers et ça marche. Allez. Ah, PA. Bonus PA. Alors, les amis, soigneur. Je fais sign tout ça. Oh. C'est sympa, soigneur. On aurait dû prendre ça. Ça soigne bien, ouais. Bon, Guigui. Ah là là. C'est broken, soigneur. T'as vu ce que t'as fait en un tour? C'est surtout valider le succès, ça qui me le challe. Et je fais l'amplification sur toi. C'est quoi ça déjà? Ça t'a donné 20% de dommages pendant finaux pendant 3 tours. Et 30%, 3 tours, 30% de co-critique. Bon, moi je vous donne ça. Ok, excellent. 2 tours. Ah, c'est fort, c'est fort. Okay. Alors vas-y. J'ai un PA en plus supplémentaire, ça c'est bien. Merci Lino pour le 8ème mois. Salut par ici, salut à toi l'ami. Bienvenue. Ok, là il y a tout le monde. Il y a le cadeau aussi. Ouais, là il y en a 5. Prends le cadeau, pousse. Délirant, c'est nul, je prends ça. Je pousse les deux en bas. Les deux, les deux qui sont en face là-bas. T'as le Doom de masse, Guigui? Ouais. Je vais tous les pousser, t'as ça. Ouais, je pense que tu vas faire ça. Exactement. Tu pousses les deux en haut. Ensuite, tu pousses celui à droite et tu restes en zone pour les PA. Très important. Tu restes en zone avec moi, ouais, pour les PA. Ouais, voilà, ok, on est parfait. Ouais, ça tue Doom, fait 14 000 de dégâts minimum avec le Doom. Ok, donc là je mets les PA. Ça va tellement bien là. Il va falloir lui mettre un petit coup là, parce que je le tue pas avec le Doom. Je peux lui mettre. Je vais le pousser. Ah non, je peux pas. 14 900 de dégâts. 14 900. Encore un petit coup, Lumi, un petit coup encore. Et mets-toi des. Un de bouclier. Je me mets le bobo. C'est bon, c'est bon, il est mort. Qui est dans la. Qui a besoin de trucs? Ça a donné à celui qui avait le plus de points de vie. C'est pas grave. J'ai. Je lui fais combien sur. Je lui fais du 7400. C'est bon. Et l'autre à aussi. À mon avis. Tu mets une seule bastos. Par contre, tu t'approches beaucoup là. Ouais. Bon. Recule au max. Tu t'approches un peu trop. Ah oui, tu peux. Ta soeur qui. Ah, c'est dommage. Tu acceptes de 30 patatos. Tu t'es pris. C'était des coups gratuits. Allez. Donc là, du coup, je fais ça. Ah, là, très bien. Ouais, bah ça fait. Allez, faut que tu tues lui. Faut que tu tues, ouais, le. Oh, joli. Magnifique, hein. Ok. Voilà. Et là, la maman, elle va. On a le dernier sort. Fumés, hein. Alors, érode les ennemis et réduit leurs dommages finaux en zone.
Occasionne également des dommages neutres sur l'ennemi ciblé. Sort, je le vois pas, moi. J'ai pas de nouveau sort, moi. Ah, si. Ah, j'ai Va-t'en en guerre. Va-t'en moi, en j'ai guerre, eu un nouveau moi, sort, le hein, les amis. Ça sert à rien, elle tape au 4. Ah oui, si je joue maintenant sur Unity, oui, là c'est la bêta, effectivement. La bêta est wipe, excuse-moi. Ouais, tu vois, toi, t'es en état inébranlable, tu peux rien prendre, quoi. Ok. On est plutôt bien, on a jamais été aussi bien en vrai. On est là, qu'est-ce qu'elle met, mon dieu. La voltige, quoi. Ah, tu la voltige tout de suite, ouais. Bien sûr. Je peux voltige, on est d'accord. Vas-y. Il y a des serveurs offi sur Unity. Non, c'est que la bêta. En vrai, on la one shot. Hein. Ouais, je peux la défoncer. Je pense aussi, ouais. Et... je veux bien un peu de soin par contre. Ouais, je vais te soigner, je vais te soigner. Alors, je vais commencer par ça. Effectivement, j'arrive pas à savoir qui est encore sous mon état ou pas. C'est un peu bizarre. Juste et donc, moi. Il est en état vulnérable en plus, donc il va prendre cher. Oh là là, je suis bien. Tu peux récupérer le cadeau ? C'est un sort qui fait des dégâts en fonction de l'érosion, mais là je fais du 30 sur le mob. je remonte, hein, je me casse de là. Alors, bonus vitalité ou bonus soin ? PM, PO. Résistance distance en plus, ou vita ? Alors, en vrai, je suis bien. Ouais, bonus soin, vas-y. Hein. Il nous manque des PA là, PA, PM. Ouais, on n'a pas les sorts effectivement. Ah, peut-être maintenant. J'espère qu'elle tue personne en fait là. Il y a deux shieldman, il y a deux shieldman. Ah ouais, il y a deux trous libres. Faut les dégager les trous libres tout de suite. Hein. J'ai le sort dégagé de toute façon là. Ah ouais, si bah... on reste en bas et je vais Arthur, faut que tu dégages les trous libres. Ah ! Réduit les dommages finaux de tous les ennemis. Ah, ça c'est fort. Faut que j'ai la range moi, pour pas te pousser la mama trop loin là. Tu peux la voltige avant de la pousser ? Ouais, je vais la voltige. Okay, oh, joli. Oh, c'est bien ça. Ah ouais, je l'avais. Et bah, mec, pour 2 PA seulement. Ah, mais il y a encore une vague. La 10ème, ouais. La dernière, ouais. Ah, donc là, on a gagné si on survit. Si on survit, ouais. Alors, on est plus, surtout. C'est la question, c'est on gagne okay. Si on survit. Tue la maman, hein. Tue la maman, Sidak. 17 000, ouais, tu l'es fait. GG, bien joué, les gars. Il y a celui du fond qui joue, c'est ça? C'est pas grave, on gère là. Normalement, c'est terminé là. Il y a plus de récompense, donc on a tout fait. On a tout débloqué. Ouais. Normalement, on a gagné. Hein. Si ça s'arrête tout. Encore deux PA, Guigui. T'as ton super sort. J'ai envie de crever, c'est une merde. Arthur est mort, je pense, non ? Non, mais vous les. Si. Oh non, on pleure. On chie à le puté. On pleure, mais on va pleurer de joie. Il échange de place. Mort moi ? Non, je suis pas mort. Allez. Ah, tu vois ? Attends, comment c'est... Quoi ? Et c'est pas fini hein, le combat. Faut les tuer. Ah ouais, tu le rapproches comme ça, l'autre. Il peut t'éclater la gueule. Et là, il nous one shot tous et on est mort. Ah ! Non, c'est moi qui le one shot. Je refuse d'y croire. Let's go. Allez. 17 000. Salut Maximax. Ah, bien joué, facile. Putain ! Let's go. Facile. Et donc, on récupère. Alors, effectivement, je découvre ça. Des gladiatons. Un sac de trouloton. Pourquoi t'as eu un truc bonus toi ? Gladiaton bonus. Oh. C'est le boost, c'est le stream boost. Pourquoi ah ouais, vous avez pas eu le truc bonus vous ? Salopard, hein ? Prends l'argent. Je sais pas du tout. J'ouvre pour voir. Cette petite bourse contient 5 gladiatons. Et les gladiatons, ils permettent quoi du coup ? Gladiagob ! Encore une map. Encore ah ouais, du coup ? Le diplôme, c'est 9. Et donc ça m'en donne 6. Ok. Ouais, pas si facile. Mais hein. Normalement, tu en gagnes que. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Là, j'ai été vraiment ultra chanceux d'avoir un sac. La réalité, c'est que. La chance, ouais, ça doit être ça. Donc voilà pour le Gladiatrol, vous avez vu, c'était quand même chaud. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à le farmer et tout, qui ont déjà prévu. Il faut quelle composition, acrobate, machin, deux acrobates et tout. Mais je trouve ça fou vraiment de voir que les gens sont prêts à tryhard. Et comme on peut le faire à partir du level 50. Et que ça... Enfin, on a besoin juste de tickets qui coûtent 5000 kama. Bon, ça coûte un petit peu, mais si vous êtes très bon, vous pouvez être vraiment très rentable là-dessus. Et bah du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont farmer ça, qui n'ont pas forcément envie de tryharder autre chose et qui vont faire ça. Donc, c'est vraiment très, très cool. Voilà pour la présentation de cette dernière mise à jour de Dofus 2. Ça fait vraiment bizarre. Je vous avoue que dire ces mots, ça me fait vraiment quelque chose. Je vis mes derniers moments avec ma Fée 4, avec lequel... J'ai vécu tellement d'histoires, tellement d'aventures, ça me fait vraiment quelque chose. Et ce skin-là, ce personnage-là, avec ce skin-là, c'est la dernière fois que je le vois, entre guillemets, ce sont les dernières semaines.
Alors on n'est pas à l'abri, il y a des gens qui parlaient de ça. Qu'un jour ils sortent une version de Dofus, Dofus 2 rétro. En mode on sort Dofus pour un temporis ou un événement comme ça. En mode rétro, mais au début de Frigos par exemple. Quand il n'y avait pas encore la mise à jour des corps à corps. Quand il y avait encore les classes qui n'étaient pas nerfées ou up ou des trucs comme ça. Qui n'avaient pas changé par les variantes machin. Mais on n'est pas à l'abri que ça sorte un jour. Mais c'est peut-être une des dernières fois que je vois ma FK4 sous ce skin. C'est comme ça que j'ai commencé mes vidéos. Donc ça me fait vraiment quelque chose. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous êtes content de me retrouver sur Dofus 2 et que vous avez hâte de Dofus 3 aussi, Dofus Unity. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toutes et à tous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse, portez-vous bien, bye bye!